est au Pic du Midi, à la Mongée, pour la manifestation des casques jaunes. C'est une manifestation qui a pour but de promouvoir les apprentis et de pousser les patrons à embaucher les apprentis. Alors, je pourrais apporter ma petite expérience, ma jeunesse et mon envie de bien faire. Ma jeunesse, ma motivation et mon envie de savoir aussi. Mon envie déjà de travailler. Je pense que c'est l'essentiel, l'envie d'apprendre. Ces jeunes, on les voit tous les jours, ils apportent beaucoup de fraîcheur, ils sont motivés, ils ont envie. Et c'est des jeunes qui ont vraiment envie de concret. Ils viennent chez nous à la recherche de travail. Ils ont d'autres façons aussi de voir et ça nous fait progresser, quoi. On n'a pas forcément l'expérience, mais on a de bonnes idées aussi. Tout le monde sait aujourd'hui que pour avoir du personnel qualifié, il faut s'investir dans la formation. Il n'arrivera pas sur le marché du travail tout seul. Et une des formules les plus efficaces, ça reste l'apprentissage. Parce que dès que la reprise économique sera là, bien évidemment, on cherchera du personnel qualifié. Et on aura peut-être beaucoup de mal à le trouver si on ne s'y implique pas. Les choses changent, les normes changent, les façons de travailler changent. Et il faut absolument que ces jeunes... On les forme. Être apprenti, c'est une bonne chose. On voit les choses différemment, on a un pied dans l'entreprise, ce qui est vraiment important dans les temps actuels. Et voilà, je dis vive l'apprentissage. Et si on veut avoir de bons professionnels demain, il faut les former aujourd'hui. Ça fait au moins 25 ans que je forme et je soutiens les casques jaunes, parce qu'il faut absolument que les entreprises prennent les apprentis. L'apprentissage, c'est top. L'apprentissage, c'est magnifique. L'apprentissage, c'est l'avenir des entreprises.